Après avoir accueilli la Coupe d'Asie des Nations de football de 2023, le stade Ahmad Bin Ali a accueilli le match de football caritatif Match for Hope le 23 février. La Fédération de football du Qatar et la plateforme culturelle Q-Life ont organisé l'événement avec plusieurs légendes du football afin de collecter des fonds qui seront reversés à la Foundation Education Above All qui œuvre pour l'éducation. Elle se servira de l'argent récolté pour financer ses projets en Palestine, au Mali, au Rwanda, en Tanzanie, au Pakistan et au Soudan. Les légendes du football présentes étaient Roberto Carlos, Ricardo Kaka, Claude Makélélé, Didier Drogba, David Villa et Eden Hazard. Pour attirer le plus de monde, les vidéastes Chunks et Abofla ont été choisis comme capitaines de leur équipe pour le tournoi. Le match amical s'est terminé sur le score de 7-5 pour les Chunks. Pour Abofla, ce match permet de réunir des créateurs et des légendes du football du monde entier pour collecter des fonds en faveur d'une cause importante qui soutient les enfants dans le besoin. L'initiative qui a récolté plus de 8,85 millions de dollars va au-delà du sport et vise à tirer parti de l'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA du Qatar de 2022 pour promouvoir la paix et l'éducation.